Donc il est temps d'aller trouver un lac, je crois. Ouais, un lac, on va dire ça. C'est moi ou son cheval est poussiéreux. Ou alors c'est lui, à chaque fois qu'il jette sur aggro, on a l'impression qu'il a de la fumée noire. Comme le sang qui sort des colosses, quoi. Attends, faut voir l'état de Manda un peu, il devient complètement pourri petit à petit. Est-ce qu'il y a un chemin là? On va dire ça. Oh, on va faire un petit détour de rien. Quand même, dans l'esprit du jeu, je me demande quand certains ponts peuvent tenir en place quand même. Non, ou mieux, comment ça s'est créé ça? Ils ont mis 4 pylônes histoire de dire ouais, c'est nous qu'on l'a fait. Mensonge. C'est vachement sympa les arrière-plans avec des multi-cascades, des arbres, etc. Non, ce jeu, je préfère quand même les endroits avec des cascades ou des trucs comme ça, genre l'entrée du temple de la salamandre qui est située sur dans un coin d'eau entouré par les montagnes. Alors, on va retrouver notre ami qui est déjà là en plus. Qu'est-ce que je m'éclaterais si j'avais les flèches explosives. Ah non, c'est du foutage de gueule ça. J'aurais pas là. Et merde. Tu vas te spammer. On va le spammer pour éviter qu'il remonte. Merde. Et voilà, c'est foutu. Ce lézard, à chaque fois que je le vise, il faut toujours qu'il se mette dans l'angle le plus improbable à avoir. Tiens, tombe. Tombe, j'ai dit. Mais tombe, allez. Il est où maintenant? Oh là là là. Et merde, voilà, c'est ce que je disais, à chaque fois que je le vise, il marche, et après, voilà, il disparaît, ou il est dans un angle improbable. Tiens, tombe. Ah merde, il est tombé là. Ah non, il est là. Allez, 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 allez. Mais qu'est-ce que j'aimerais les avoir, ces flèches explosives. Ta 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 ta, où est-ce qu'il est passé encore? Ils ont pas pris le style d'architecture le plus simple en plus pour chercher un lézard. Wanda, l'homme qui avait tué jusqu'à maintenant environ 12 colosses, je sais même plus, environ 12, oui, mais qui se laissait toujours emmerder par un putain de lézard. Zéro crédibilité, zéro. Ah, le voilà. Oh, mais il a bougé au dernier moment, j'y crois pas. Ah, il faudrait qu'il tombe là, il faudrait qu'il tombe. Tombe! Il est où? Non mais... Toi tu bouges pas, toi tu bouges pas. Je
Pas me laisser emmerder par un putain de lézard. Et pour l'honneur, on va sauvegarder. Merci à toi, Dieu Lézard, pour m'envoyer toutes ces épreuves complètement ridicules. Je tuerai jusqu'au dernier de tes fidèles. Tiens, celui-là, je vais le garder de colosse. Voilà. Non, on a tué 11, autant pour moi. Agro. Oui, Agro, c'est toi que j'appelle. Il est où? Pourquoi il est parti là-bas? Bon, on est reparti. Par là-bas, et ça tombe bien, il y a un pont. Vu le bruit, on se rapproche de plus en plus de cascades. Oh, l'endroit sympa qu'on va visiter, je me rappelle. Ça donne vraiment pas envie de tomber. Alors, petit coin sympa en forêt, avec une lumière divine. Et les cascades en fond, ça c'est beau. Alors, où c'est qu'on va? Oh putain, le piège fourbe. La cascade. Bon, où est-ce qu'on va, nous? Ah voilà. Là par contre, il va falloir du sang-froid pour traverser ça, même si on peut pas tomber vu qu'on est sur le cheval. Mais dans l'esprit du jeu, il faudrait beaucoup de sang-froid. Oh, regardez-moi ça. Et évidemment, c'est par là-bas qu'on va. Putain, regardez si c'est bien fait, quoi. Tellement simple, et tellement beau. Allez, on va se baigner. Moi, je serais pas tranquille sur un cheval là-dessus. Qu'est-ce que... Ah bah, il y a un point de sauvegarde. Ah, c'est la meilleure, ça. Truc, là. Oh, bah ça, alors. T'es que j'ai tué beaucoup de tes potes, toi, hein. Tous m'ont résisté. Tous sont tombés. Allez, prie le dieu lézard pour cette offrande. The Lézard King. C'est bon. Voilà. On est reparti, mais là on a plus besoin d'un gros. Allez. Bon là il s'agit de pas rater son saut, parce que sinon... Sprouch, j'ai envie de dire. Allez. Elle a même pas de gants ou quoi comme Altair, donc... Ou Ezio, il doit se démonter les mains à chaque fois. Il s'agit de pas tomber dans l'eau parce que vu la force du courant ici, on devine très vite ce qui arrive à Wanda s'il reste dans l'eau. Oh, ruine, végétation et de l'eau. Quoi demander de plus? Que demander de plus? Alors, bizarrement, il n'y a pas de courant. C'est magique. Oh, la grande porte. Même l'effet de du reflet de l'eau, du reflet de la lumière dans l'eau qui revient sur la pierre est vachement bien foutu quand même. Même s'il n'y a pas tellement de lumière, mais ça c'est un détail. Je crois qu'on le voit à peu près dans le fond là, un petit truc lumineux. Alors il s'agit de rejoindre la plus proche ruine, je crois. Dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière, ça ferait plus joli. Faut le faire quand même pour piquer un petit somme dans l'eau.
Ce colosse a envie de mourir. Je crois qu'il faut d'abord rejoindre ça. Tiens, il y a un truc dans l'eau. Ah, des nénuphars. Ouais, je crois qu'il faut d'abord rejoindre ça. Et la seconde, on va le rejoindre, à votre avis, qu'est-ce qui va sortir? Un gros truc! Qui fait tomber le tonnerre, comme l'avait annoncé Dornin. Bonjour! Je trouve le design de celui-ci particulièrement bien réussi. Alors, où c'est qu'on va là? Non. Ça ne vient pas traîner. Ouais, voilà pourquoi je dis ça. Malheureusement, on peut pas le contourner, on est trop lent. Je crois qu'on doit rejoindre la plus proche ruine. Vite. Non. Aïe aïe aïe. Je crois qu'il faut que je plonge à chaque fois. Non, tu m'auras pas. Même si je suis lent, tu m'auras pas. Voilà, c'est ça. C'est de l'électricité qui n'est pas conduite par l'eau et qui s'arrête à la surface. C'est tout à fait normal. Oula, aïe aïe aïe. À moins que je m'y prenne mal. Ce qui serait à peine exagéré. Je crois qu'il ne me voit pas comme ça. Non, non, il tourne sa tête dans cette direction totalement par hasard. Non, non, c'est faux, il ne m'a pas vu. Allez, allez, il faut le contourner. On a de la chance, il est relativement lent. Allez, on passe par là. Ça y est, je me rappelle de comment on fait. Voilà, c'est ça. Ça ressemble un peu à une tortue, ce truc. Ah, c'est marrant, sur le côté, on dirait qu'il y a des sortes de hiéroglyphes ou de runes. On a tagué le pauvre colosse, quoi. Si c'est pas malheureux de voir ça. Voilà, wow. Agressif, le machin. La musique n'a pas encore changé, ça veut dire qu'on n'est pas encore tiré d'affaire. Putain. Et là, surprise! Ah merde. Et oui, le point faible n'est pas sur sa tête. Attends, attends, tu vas voir, mon pote. Hop là, faut taper sur ces espèces de... de trucs qui ressemblent à des dents, en fait. Hop. Et ça le force à tourner dans une direction. Voilà. Il aime pas du tout. Boing. Allez, avance. Boing. Allez, on y est presque. Wanda, il est tellement trop classe qu'il arrive à contrôler un colosse, quoi. Allez, U. Voilà. Trois devant. Oh. À mon avis, il a pas le choix de nous obéir parce que ça a l'air de lui faire assez mal. Allez, amène-moi là-dessus. Amène-moi là-dessus. Plus vite, machin. Oh. Ah non, en fait, c'est pas ça. Allez, de l'autre côté, en fait, j'ai changé d'avis. Oh. Et hop là. Oh non, te venge pas, c'est mesquin ça. On voit qu'il est pas content au bout de ses cornes, on dirait. Allez, regarde, je suis caché. Viens me chercher. Et le master est piégé du con. Ah ah, regarde ça. C'est con ça, hein. Tiens, souffre.
Et merde. Oula, je crois qu'il est pas content. Ouais, je crois qu'il est pas content du tout. Bon, il suffit de rester sous l'eau. Heureusement qu'il est lent quand même. Ouais, sur les colosses lents, on peut jouer sur la vitesse, mais les colosses plus petits, ils sont plus nerveux et on peut les semer plus difficilement. Qu'un colosse, suffit de se réfugier dans une cavité ou dans un souterrain et c'est bon, il ne suit pas. Les modèles plus petits, ils peuvent se faufiler un peu plus facilement pour nous rejoindre. Gek, il a de la verdure sur son dos, des plantes. À chaque fois, on hésite, est-ce que c'est plus un animal, une statue, si c'est des poils ou alors des plantes sur lui? Pourquoi tu veux te débarrasser de moi? Je veux juste te tuer. Tiens, va par là. Et je crois qu'à chaque fois qu'on revient d'une de ces structures, il la détruit. Ce qu'il est pas con quand même. Quel élan. Coucou. Ouais, il en a détruit une sur trois. Raté. Ah non. Bizarre, normalement il est détruit. Alors, tu viens de battre? Tu n'apprendras jamais de tes erreurs. Crédibilité, où es-tu? Je te cherche encore, crédibilité. Non, tu ne m'as pas vu, c'est faux, tu es trop con, tu es trop lent, voilà. Ça, j'avoue que c'était ballot quand même, la précipitation. Je dois à peine l'énerver depuis le début. Pire qu'un moustique, parce que moi je peux le tuer par rapport à un moustique. Allez, pas la peine de te débattre, de toute façon t'es foutu. Ouais, espèce de créature du diable. Il se fout la tronche dans l'eau carrément. Bon, c'est fini là. Allez, par là. J'ai l'impression que je lui tape directement les molaires, mais sur sa tête. J'imagine que ça va faire mal. Avance, crétin. À droite. J'ai dit à droite. En plus le bruit, ça résonne et tout. Allez. Oula, bonjour. Non, c'est pas moi, j'avais un alibi, j'étais au cinéma. Allez, cette fois pas de conneries. Bonjour. Allez, tu vas crever. Ah, souffle. Déjà? Putain, déjà il se refoule dans l'eau. Ah voilà, qu'est-ce que je disais? Je suis pas totalement fou. Donc là en fait je crois que si on s'était réfugié sous le truc après l'avoir frappé, on serait mort. Wanda, si tu plongeais là, il t'a vu. Plonge. J'ai jamais vu ça, de l'électricité qui s'arrête à la surface de l'eau. Et de l'eau qui ne conduit pas l'électricité. Laisse tomber. On dirait un mélange entre une tortue et un animal à cornes. Et une centrale électrique éventuellement. Allez, monte. J'ai beaucoup d'endurance. Pas la peine de te tourner. Ce qui est bien avec ce colosse, c'est que c'est pas le plus galère à escalader non plus.
par exemple le troisième colosse avec son épée, lui il est un peu chiant à escalader. Wanda, accroche-toi là. Hop là. Non mais, voilà. Il se secoue l'animal, il se secoue. Elle veut pas mourir la bestiole. Hein. C'est pas ce que j'ai décidé. Wow. Oh, oh, oh. On dirait une vache un peu. Avec des dents sur la tête. Et qui envoie de l'électricité. Et qui a une carapace de tortue. Et des plantes sur la gueule. Normal quoi. Tiens, parfait. Droit devant. Tourne, je dis. Et on ne chouine pas. Allez. Non, non. Tu vas me rapprocher de ce truc, toi. Ah, t'as fini, oui. J'ai dit, on chouine. Pas. J'aurais dû tomber. Non, au départ, j'aurais même pas dû tomber. Et après, il s'est positionné là. Il aurait dû se casser la gueule, mais non. Bon, tu vas te tourner, toi. Tu commences à me gonfler, toi. Capricieux et tout, juste parce que j'essaie de le tuer. Jamais vu ça. Allez, tourne, animal, sale bête. Allez, on avance. Et on va à gauche. Et on va à gauche. Et merci du voyage, du con. Non, c'est pas moi. Je me demande si on traîne trop, s'il détruit toutes les plateformes. Il n'apprendra jamais de tes erreurs. J'ai cru que j'allais encore me foirer. Oh, tu m'as pas vu, hein. Si. Ah, fais quelque chose, sinon tu vas mourir. Je vois rien, là. Ah, je voyais rien avec le sang, j'aurais pu l'achever, là. Oh, je crois pas, j'ai rien vu à cause de la fumée noire. Ah, je voyais pas si je faisais un coup puissant ou non, là j'ai rappuyé dans le doute, mais je voyais rien. Devoir recommencer tout ce cinéma pour lui infliger mais une piche nette. C'est frustrant. Toute la technique, on l'a bien vu là, elle change pas. Approche-toi. Ah, vous les colosses, les poils sur votre bertre. C'est triste à dire, mais c'est ça. Les poils, c'est le mal dans ce jeu. Synonyme de mort. Il est sensible des dents de la tête. Mais le pire, c'est qu'on dirait vraiment des molaires. Comme si en fait la partie où on était c'était une mâchoire inférieure. C'est glauque. Allez, il a failli tomber. En fait, je vais troquer aggro pour un colosse à dents. Allez. Oh. Non, non, non. Allez, allez, Wanda, il résiste à l'électricité, il est en caoutchouc. L'ami, ce fut un réel honneur de combattre à tes côtés. Et tu fus une fidèle monture. Lui aussi, c'est vraiment un des plus classes des modélisations. À la limite, je pourrais utiliser le courant pour nager encore plus vite et me jeter dans le vide avant que les pics m'atteignent. Mais c'est trop tard! Ah non! Non! Vous pouvez pas faire ça!
Vu tout le temps qu'il a passé dans l'eau, en plus ça a pas suffi pour le nettoyer quoi. Tonnerre silencieux. Ah, les succès tellement inutiles dans ce jeu. On va sauvegarder là. Voilà, 12 colosses de tuer, c'est déjà pas mal. Et